m'appelle Carmen Bougue, épouse Pahio, et je travaille à Polynésie la Première depuis plus de 42 ans. Pour ne pas te cacher, il me manque, car je l'ai connue à ses débuts. J'étais d'ailleurs la première personne qu'elle a rencontrée. J'étais située à l'époque à rue de Mondurville et j'étais devant à l'entrée. Je faisais office de secrétariat et en même temps de réceptionniste, on peut dire standardiste. Et donc la première personne qu'elle a rencontrée, c'est moi. Alors déjà d'un homme qui est très ouvert, qui aime la vie et qui a tendance à penser qu'aux autres et s'oublier. C'était quelqu'un qui avait le contact très facile. C'est comme s'il le connaissait depuis des années. C'est un bon vivant. Quand je l'ai connu, ma fille à l'époque, elle avait à peine 3 ans. C'était ma fille aînée, ma tata. Et donc, ça fait plus de 30 ans que je l'ai connu, bien avant. Ses premiers pas dans la télé, c'était avant tout la radio. Il s'épanouissait. Je ne dis pas qu'à la télé, il ne le faisait pas, mais à la radio, il s'épanouissait. Il s'éclatait énormément. Mon dernier mot, c'est merci Mario pour toutes ces années où nous avons passé de bons moments. Nous avons bien rigolé, mais nous avons bien pleuré aussi. Mais ce que je garde de toi, justement, un grand merci pour cette joie de vivre.